Et re, à peine l'épisode précédent pour moi fini, je suis toujours sur le cul et putain, je suis en train de penser au mec qui a créé ce scénar, qui est arrivé dans le studio de... C'est qui a fait ça? C'est qui a fait ça? C'est Guerilla Games. Les gars, j'ai une grosse pépite pour vous. Putain, j'ai un caviar même. Y a pas de méchant là? Ouais, je prends des accents maintenant, j'ai rien à foutre. Putain, le jeu il m'a défoncé la chatte quoi. Truc de fou. Pourquoi je... Ah non, c'est le comeback. Ah, il faut encore lire des trucs. Allô? On prend lance-feu parce qu'on est des gros fils de pute. Carnet, ok. Et c'est tout ce qu'il y avait? Hein? Ok, bah ça de toute façon, je vous passerai. Ah, tu peux cueillir avec ça. Ah, le jeu il m'a mis en PLS quand même. Et le pire dans tout ça, je suis en train de me dire, mec, t'étais à un épisode d'un putain de truc de malade quoi. Et du coup, je m'en veux encore deux fois plus parce que j'aurais tout fait pour continuer quoi. Si tu commences à me hype là, ça me réhype. Ah, j'aurais tout fait pour jouer quoi. Une intruse! Attrapez-la! Ah ouais? Je touche pas. Je sais quoi faire. J'ai juste besoin de mon focus. Oui, mais attends 2 minutes, j'entendais rien pendant 100 secondes là. On peut prendre vos balles ou pas? Ou ça se passe comment? Ok, d'accord. Oh, t'as des pièges. Et je glisse, je suis du boomerang. Attends. T'as de l'argent. Ah, le jeu quoi. On peut pas le prendre le lance-feu là. Enfin, le lance-feu. Le lance-feu. Ici, y a encore un truc à écouter. Les petits hackers de merde du FBI à Mockingbird à la grande époque. Je me suis bien fait plaisir à leur donner une leçon. Mais là, j'y suis peut-être allé un peu fort avec la conseillère. La pauvre, toute mignonne. Faisait juste son boulot après tout. Fallait pas s'attendre à ce qu'elle pige à quel point c'est débile Hope Zero. Autant filer une imprimante 3D à un mioche et lui dire de refaire le monde. Bah ouais quoi, faut pas se voiler la face. Regarde maman, je joue à Dieu. Après tout, si la nature est si importante, pourquoi on la laisse pas faire son truc? L'extinction, c'est naturel. Hope Zero, par contre, ça l'est pas du tout. C'est même tellement pas naturel que chez moi on appelle ça une abomination. Et c'est bien pour ça que vous m'en parlez pas. Et là, ma petite conseillère toute mimi, elle commence à se mordre les joues. C'est pas bien. Elle sait même ranger un ongle. Un seul. T'étais bien emmerdé, hein, poulette. T'allais pas faire ton quota. Elle m'a dit, j'imagine que vous allez refuser notre proposition, monsieur Tate. Sérieux? 18 mois à trimer, suivi de 30 ans à se la couler douce dans l'Elysée à mater du porno. Je signe où? Tate, on va éviter de le réécouter par contre parce qu'il est extrêmement malaisant. Voilà. Aube Zéro. C'est de l'art d'une certaine façon. Une expression à l'échelle ultime. Mais tout cela semble tellement arbitraire. Qui m'a choisi? Est-ce le travail d'un jury? D'un algorithme? Ma famille sera sauvée pour la simple raison que j'ai étudié l'histoire de l'art? C'est injuste. Docteur Sauvé? Christina Sauvé? Oui. Il y a cet homme, un autre historien, spécialiste du Bauhaus et des nouveaux matérialistes. Il a assisté à une de mes conférences.
encore une injustice. De tous ceux présents dans la salle ce jour-là, lui et moi sommes les seuls ici aujourd'hui. Et pourtant, j'ai décidé d'accepter mon destin. Oui, c'est injuste. Complètement même. Mais au nom de toute ma famille, au nom de l'art, l'art est vivant. Il doit pouvoir s'exprimer par-delà l'histoire et résonner dans l'avenir. Il ne peut pas sombrer dans l'oubli. Cette chance, je dois la saisir. Ok. C'est intéressant, une boîte de ravitaillement. Je suis trop chargé. Ouais, j'ai encore des popos. Ah oui, mais attends, on m'a touché. Ouais, bah non, c'est bon. Oh bah putain. Lance-feu. Donc là, il faut que je regarde un truc. Hein ? Ah, il faut que j'aille en bas. Du coup, tu me passes ça ton arme. Ça pourrait changer la donne. Bah, s'ils ont tous des trucs comme ça, ça va aller vite, hein. Attendez. Oh non ! Oh non ! Oh seigneur, non ! C'est parti. Encore une interface. Je dois trouver le bon agencement. Oh, Vorace ! Il manque un élément. Non ! Il y a peut-être une réserve dans le coin. Non ! Mais non ! Je suis désolé, mais je déteste ça, quoi. J'en ai ras-le-bol de l'incompétence de Brett, ok ? Ok, ouais. Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers. Tout est inversé. Je ne suis pas payé pour réparer les conneries de Brett. Si vous voulez régler ça, envoyez-le chercher un nouvel émetteur dans la réserve. Terminé. J'en ai ras-le-bol de l'incompétence de Brett, ok ? Ah. Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers. Tout est inversé. Ah oui. Je ne suis pas payé pour réparer les conneries de Brett. Ta si gueule. Vous voulez régler ça, envoyez-le chercher un nouvel émetteur dans la Alors, réserve. Alors, en bas. À gauche. Mais attends, c'est lequel que je dois faire ? 1, 2. Il y a 5. Mais d'accord. Je sais compter. Ah oui. Ah non, mais attends. 1, 2, 3. Oh ! Ah, il en manque un. Elle m'a dit d'aller chercher ça dans la réserve. Et moi, je suis un enculé, j'écoute jamais. Et c'est pas la réserve, ça. Ah, la bite en bois. Donc, si on commence par... Ah, je veux pas. Ah, d'accord. Ouais. Et il est où, votre truc, là ? Attends. Putain, on voit que dalle, par contre, dans vos trucs. Ça va pas être sympa pour vous. Olé. Oh non, il y a encore un truc à écouter. Non, la dernière fois en bas, il était nerveux par contre. Il lui cassait la gueule au docteur. Vous me saoulez parce que j'ai un truc que je vais mettre 50 ans à faire parce que c'est chiant en fait. Hein. On va pas se le cacher. Je suis complètement paumé maintenant. Non mais vos mères quoi. Toi. Bien sûr que j'accepte. Avoir la possibilité de réparer tout ce que j'ai. Enfin, je veux dire, les dégâts. Oh, honnêtement, je ne m'en sens pas digne, mais oui. Oui, j'accepte, bien entendu. Nous ne cherchons pas à vous offrir l'occasion de vous racheter. C'est comme ça que je le vois. Le docteur Sobek, Margot, elles ont eu l'intelligence de quitter Faro. Mais personne n'a compris la gravité de leur décision. On s'est juste dit qu'elle n'avait pas les épaules pour supporter une ambiance aussi compétitive. Mais rien de plus. C'était à celui qui serait le meilleur. Qui inventerait la plus grosse machine. La plus violente. Ouais. Un siècle et demi de science-fiction. Et on n'est pas foutu d'empêcher l'apocalypse pour notre espèce. Vous parlez d'une ironie. Mais... Qu'est-ce qui peut c'est fini pour moi tout ça. Je veux dire, je vais travailler plus dur que jamais pour mériter ma place. Pour que ma famille en ait une à l'Élysée. J'aurais jamais cru à ça. Une possibilité de rédemption. Ok, merci. Mais je cherche un truc précis, moi, les gars. Waouh. Scoo. Non, on va pas perdre de temps. Enfin, perdre de temps, entre guillemets. Hein, mais... Ils sont tous sympas à parler, mais... Ouais, mais toi tu me dis d'aller en bas.
D'accord, mais il manque un petit objet. Et ça, c'est relou. Donc, si j'appuie sur quête, il y a un petit pas où elle. Ouais. Par contre, il doit être complètement. Ça, c'est quoi? Ah, vous êtes sérieux? Je suis con à ce point-là. Hein. Tu peux pas monter par là. Ouais. Tu peux pas monter là? Si, t'es monté là. Il y a un instant, t'es monté. Attendez, attendez. Tac. Ça peut être bien compliqué. Non. Ah, oh, ça va être chiant. Je suis désolé. Là, c'est l'épisode un peu plus chiant quand même. Hein. Y'a rien ici parce que c'est pas ici en fait. Tout simplement. Non, arrête, arrête. Merci. Y'a rien ici. Oula! Mais je comprends rien et cette caméra doit être pleurée! Excuse! Ok. Alors, quand on descend, là il y a une porte, on s'en fout. Et au pire. Non, y'a rien ici. Hein. Non, évidemment. Hein. La déduction veut que ça brille ici et que j'aille par ici. Donc je fais ci, je fais ça, dalala. Hein. T'es sérieux? D'accord. Sans sérieux. Et je suis retourné là où j'étais. Super. Ok, tac tac tac. Donc ça c'est non. On l'a ouvert, on s'en fout. Putain, non, mais en fait, non, je. Comment on monte? Ça, c'est la petite pièce de merde en fait. Ouais. Rien pour s'accrocher. Là, c'est la porte à côté. Je peux pas grimper là-dessus, elle veut pas. De toute façon, il y a une plâtrée de connard, enfin de trucs de con. Moi, je serais bien monté là-dessus, mais elle veut pas. Fais chier. Au pire, ce qu'on va faire, c'est ça. Non, pardon. À l'envers. Non, ça, c'est à l'endroit. Bien. Attendez, attendez, attendez. Hop. Paf. Bas et gauche. Ah, bas et droite, pardon. C'est maintenant que je confonds. Voilà. Je devrais aller vérifier la porte. T'es bête en fait. Ah non, t'es pas bête. Oh, pardon, pardon. Fallait faire ça depuis le début. Ok. Ok. Très bien. Y'a pas de fils de pute quand même là. Ah non, d'accord. Putain, les trucs rouges en fait. J'ai cru que c'était les ennemis. Voilà. Putain. Le mec est fou en fait. Comment on fait pour. Carré. Tout est carré. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, c'est celui-là, putain. J'en ai un. Il a l'air intact. Le reste, on s'en bat un peu les steaks. Ça devrait marcher. Allez, alors, on va ouvrir cette porte. Donc c'est à l'envers. Donc ça, c'est en bas. Alors en bas, à droite. Ça.
au gauche. Oh. Gauche. En bas. Ça a marché. Le courant doit être revenu. Allez, voyons putain, ce que cache génie. Cette porte. M'excite. Ah. L'éclipse. Oh. Les voilà. Moi je viens, ne te mais. Fais pas repérer. Ils sont entrés comment? Les lignes sont utilisables. Gaïa, là-haut, au deuxième étage. Tu peux y monter? Non. Pour la discrétion, c'est raté. Mais calmez-vous. C'était quoi? Oh, c'est refermé. Que pouvaient donc bien y faire les anciens? Ok, alors. 30 secondes là. Je vais boire un petit coup de thé parce que voilà, déjà. Donc, 2 secondes. Ok. Oh putain, j'aime bien la musique là. Tatin. Plus besoin de présentation. T'aimes ça, hein, salope. Je vais te fumer. Ok, il va fumer. Tu peux pas prendre ta potion là, t'es ça? T'es sérieux? Changer d'arme. Énorme. Tu fais vraiment mal en fait. Mais t'es pas sympa. Vous êtes vraiment pas sympa. J'ai pas tiré. Il reste ça? Ah mais il en reste des millions. Sur ma position, je peux pas poser de piège. Si, maintenant je peux poser un piège. Je disparais. Je pose des pièges. Doucement. À tuer, descend. Il est con. Ah, il est vraiment, vraiment nul en fait. Défaillance structurelle, nous verrons crash. Je répète. Ou pas. De quoi? Mais aïe! Jusqu'à l'os. Puis surtout, je vois que dalle.
quand même. Échapper à qui que ce soit. Je suis désolé, je pars pas du tout. La pièce est dégagée. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Au travail. Tu calme, dois trouver Gaïa. Calme tes putains de cuisses. On va se calmer de ouf là, parce que. Voilà. Ça suffira. Ça suffira comme explication. Mais prends tout et tout le temps là. Ah, c'est le loot forever. Hein. Putain. En plus, dans cet espace à la con là, j'ai deux bombes, ils ont même pas été dessus, c'est coteau. Ok, on est bien. Bah ouais, bah 3 potions, tu m'étonnes, je peux pas les prendre quoi. Ah, attends. Et normalement, j'ai une compétence pour courir avec. Tiens donc. Oh la vache. Ok. Petit. Maintenant il n'y a plus personne quoi donc Ok. Moi t'es là. Bonjour, je suis Margot Chen et voici Héphaïstos. Comme son nom peut vous l'indiquer, Héphaïstos est la fonction subordonnée que Gaïa utilisera pour générer une multitude de robots. Sa forge personnelle. Enfin. C'est un peu plus complexe. Spartiate et Festus. Alors, vous avez dû le remarquer, il y a à peine un tiers de roboticiens parmi vous. Les autres experts, ce sont les machines cognitives, l'heuristique virtuelle, tout ça quoi. En réalité, c'est parce que ce n'est pas nous qui allons concevoir et construire les robots. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est de charger Gaïa avec tout un tas de machines vieillottes du 21e siècle. Ce serait sans intérêt. Notre objectif, c'est de faire en sorte que Gaïa construise les robots. Et plus que ça. Qu'elle les crée, en partant de rien. Si elle a besoin d'un robot, quelle que soit la tâche donnée, elle sera capable de le concevoir en un claquement de doigts. Elle-même. Toute seule. Donc, Héphaïstos n'est pas vraiment une forge. C'est plutôt une bibliothèque des connaissances et compétences d'un forgeron. Et ce, pour mieux créer. Encodé dans un logiciel. La créativité virtuelle, mais réelle. Gaïa apprend déjà. Dans les simulations, elle a déjà réalisé des choses incroyables à base de montage fractal et de morphologie animale. Ses créations sont encore très loin de remporter un prix de design. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Bon, voilà. On va pouvoir s'y mettre. Mettons-nous au travail. Je comprends pas. Quoi donc? C'est vrai, c'est parfois technique. Si Gaïa a été conçue pour faire renaître la vie, pourquoi est-ce que ces robots attaquent les humains? Peut-être qu'elle préfère certaines formes de vie à d'autres. Le dysfonctionnement. Les machines n'ont pas toujours été en colère. C'est vrai. La plupart étaient pacifiques il y a encore une quinzaine d'années. Ça fait des années qu'Héphaïstos oblige les creusets à produire des machines agressives. Je l'ai vu de mes yeux, dans les creusets. Des traqueurs, des ravageurs, un gueule d'orage. Comment il a fait ça? Et pourquoi? C'est une bonne question. Bonne question, ouais. On va se refaire le stuff tant que j'y pense. Ah, j'avais dit. Ah non, j'ai une flash. Putain. Et c'est quoi, j'utilisais? Bah oui, c'est un truc arracheur en fait. Attendez. Oh, il y a tout ça, arrêtez quoi. Ah, il y a tout ça, c'est. Bon, voilà. Vous faites pause hein, si vous voulez lire. Yep.
Bah ça, ces trucs audio, j'en ai un petit peu marre d'écouter les trucs en fait, hein. Je suis désolé mais... ouais... Activer projecteur... Non, non, ça va. En fait, ouais, ils ont fait un truc... Un robot, entre guillemets, capable de créer d'autres robots et de... Ces formes, j'en ai déjà vu. Dans un creuset. T'es entré dans un creuset? Oui, abandonné. Alors, ces creusets... Ils appartiennent à Gaïa? Il semblerait. C'est là qu'elle produit ces machines. Je peux pas la reprendre? Non. Ah, je porte ça, hein. Canon porte-mort. Je suis le mort. Eux, ils ont des machines de ouf, quoi. Et moi, j'ai un putain d'arc. Enfin, mon arc est sympa, hein, mais... Techniquement, je préfère avoir ça, quand même. Qu'il y avait quelqu'un qui sortait de... Je peux pas lire? Ah, c'est ça? Non. Ben ah bah. Ça passe pas à travers la vitre. C'est bon à savoir. Ça sent le boss, ça, non? C'est là où j'étais, d'accord. Je peux pas te... Moi, je peux te loot. Ah, le loot. Ça fait longtemps. Je crois que c'est ça. Le bureau d'Elisabeth Sobek. Mais c'est verrouillé. Donc, en fait, oui, moyen d'entrer. C'est des trucs zénon grecs. Continuez à explorer. Ce Gaïa, c'est la Terre, en fait. Entre guillemets. Enfin, entre guillemets, je crois pas, c'est la Terre. Et encore l'éclipse. Oui, Chronos. Sois prudente. Son mari, entre guillemets. Et donc, ils ont parlé des Phaistos. Il me semble que c'était un Spartiate. Donc tout ça, ça fait partie de la mythologie grecque. Donc il doit y avoir une certaine logique avec ce qui s'est déjà passé dans la mythologie, quoi. Et j'entends des voix, là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, j'arrive, les gars. Comme Rambo, pas de soucis. Et ils sont bas en fait. Ouais, un escalier. Bienvenue dans Apollon. La mémoire collective de l'espèce humaine est la source de connaissances pour toutes les générations à venir. Je suis pas spotted là, je quand même. Je suis Samina Ibadji. Jusqu'à récemment, j'étais directrice de l'Institut international de la mémoire collective de New Téhéran. Spécialiste de notre héritage, j'ai consacré ma carrière à la préservation du savoir humain, de la créativité et des œuvres culturelles. Apollon est, vous le verrez, l'aboutissement ultime de la passion de toute une vie. Même si je regrette qu'il voit le jour dans des circonstances aussi terribles. Le défi qui nous attend est immense. Techniquement, il nous faudra concevoir et implémenter quatre projets majeurs simultanément. D'abord, la construction d'entrepôts de données dans des complexes berceaux tout autour du monde pour assurer la redondance. Ensuite, la collecte et le traitement du chiffre minimal annoncé de 180 millions de données distinctes. 42 étaoctets de données en chinois, anglais, espagnol et arabe. Puis, le transfert et l'encodage de toutes ces données dans de l'ADN qui sera enfermé dans des fossiles artificiels. Le seul support assez spacieux et résistant pour les protéger sans perte de qualité pendant les siècles à venir. Et enfin, mais surtout, le développement d'une interface holographique et d'un programme sous forme de jeu, grâce auquel les nouveaux humains communiqueront avec Apollon, en développant différents modules d'apprentissage heuristique, pour acquérir progressivement les compétences nécessaires pour contrôler le système de terraformation. C'est cela, l'avenir pour lequel nous allons tous devoir combiner nos efforts. Il ne s'agit pas que de préserver le passé, il s'agit également de planter les graines d'un nouvel arbre de vie. Bienvenue. Mettons-nous au travail.
Ok, est-ce qu'il y a un autre truc qu'il faut écouter? Non, mais on va vite fait dire ça. C'est ça? Hop, hop. Ok. Moi, je vais faire ma coupure ici. Et puis, je vous dis encore une fois, merci d'avoir regardé. Pardon, j'ai bugué. Et puis, à très vite. Ciao.